patrouille des aigles, super-héros. Patrouille des aigles. De Joe Sachs au Conseil mondial de sécurité. Cette mission de la patrouille des aigles a commencé un peu après la rencontre inattendue faite par un de nos vaisseaux de l'espace. Voilà la Terre, on va bientôt rentrer à la maison. Le contact visuel a été établi, atterrissage prévu dans environ... Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'image. Des météorites, attention, on va être secoués! Mais c'est incroyable! On dirait que toutes ces météorites se dirigent vers un endroit précis! Dans les météorites. On s'en doutait. Oui. Et voilà où elles ont touché le fond de l'océan. Oh! On dirait bien les voraques. Tu crois? Dès qu'il y a un mauvais coup, de toute façon, ils sont là, pas vrai? Oui, en général. Oh, regardez-moi ça! Mais qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien du tout, mais je n'aime pas ça. S'il y a des voraques dans le coin, on sait tous qu'ils doivent préparer un très mauvais coup. Attention, ils nous ont repérés! Très juste, à nous d'ouvrir le feu! Non, une seconde! Ce ne sont que des robots. Ils ne doivent pas disposer de réserve de missiles. Je n'ai plus d'image sur mon écran! On va se poser sur le fond. D'accord! Bon, écoutez-moi bien, voilà comment on va procéder. Joe et moi, on va sortir faire un tour de reconnaissance pour connaître les projets des Voraques dans cette partie du monde. Les autres, vous protégerez l'appareil. Compris! Bon, je suppose que maintenant la patrouille des aigles doit se trouver sur place. C'est difficile à dire. Pour l'instant, on s'intéresse surtout à la récupération des météorites. Si j'ai bien compris, tu n'as pas encore envoyé une capsule pour savoir où ils se trouvent, mais qu'est-ce que tu attends? À vos ordres, j'en envoie une immédiatement. Sous-marine. J'ai tout de suite pensé qu'elle conduisait tout droit à la base des Voraques. Mais Malanox était trop malin pour se laisser surprendre si facilement. Oh, yeah!
Et maintenant? Joey? Joey Sachs? Oui, pour ton malheur, Vorak. Non, attends. Je ne suis pas un Vorak, je suis un ami. Moi aussi, j'ai cru que tu étais un Vorak. Nous sommes des androïdes envoyés par le professeur Andro avec la mission de récupérer les morceaux de météorites tombés ici. C'est à cause du professeur Andro que je sais qui tu es. Andro? On s'entraîne souvent par ici. Cet endroit se situe tout près du complexe secret où le professeur Andro se livre à ses travaux. Et où est-il? Tu n'as qu'à me suivre. Voilà l'installation du professeur. Plutôt impressionnant, non? Tout ce que veut le professeur, c'est nous rendre plus forts et plus efficaces pour éliminer les Vorak qui menacent notre planète. Au fait, je m'appelle Ulf. Et je te présente mes amis androïdes. On te connaît tous de nom. Et je tiens à te dire que tu seras toujours le bienvenu ici. Tu représentes notre avenir. Alors, quoi de neuf? Vous avez trouvé des fragments de météorites, j'espère? Non, ils ont été emportés. Certainement par les Vorak. Nous savons maintenant où se trouve la base des androïdes, et nous avons même des images de leur entraînement. Et il faut reconnaître que c'est grâce à toi. Oui, comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Les compliments me font toujours plaisir, mais j'aimerais que tu te montres plus précis. Ton lecteur de cerveau est particulièrement efficace. On l'a essayé sur un androïde qu'on a capturé. Procède à l'analyse structurelle de cet androïde. Je suis prêt à parier qu'elle confirmera mes soupçons. Oui, très bien, mais je te l'avoue, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. La conception particulière de la structure de cet androïde me confirmera qu'il s'agit bien du travail d'un certain professeur Andro. Je comprends de moins en moins. Oh, mais ça ne m'étonne pas de ta part. En tout cas, si ce professeur Andro est notre ennemi, il devient aussi automatiquement le mien. J'espère seulement qu'il n'aidera pas la patrouille des aigles, c'est tout. À propos, quelle nouvelle? J'ai donné l'ordre d'envoyer une capsule pour connaître la position de la patrouille des aigles, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à la trouver. Et je n'ai pas eu de nouvelles précises depuis notre attaque sur la base. Une attaque qui a manqué sa cible. Maintenant qu'on a repéré la base des androïdes, j'exige que le prochain bombardement de météorites la détruise complètement. Ensuite, on pourra s'occuper de la patrouille des aigles. À part celui capturé par les Vorak, les androïdes endommagés avaient été ramenés par les plongeurs du professeur Andro. J'étais impatient de me retrouver devant celui-ci pour obtenir quelques explications. Professeur, à ce moment-là, les souvenirs me revinrent brusquement à l'esprit. J'étais devant l'homme qui m'avait sauvé la vie et qui avait fait de moi un cyborg, mi-homme, mi-robot. Je suis là. Ça me fait plaisir. Je constate que vous vous montrez à la hauteur des circonstances. Désolé de vous interrompre, professeur. Qu'y a-t-il? Malheureusement, nous n'avons pas récupéré une seule météorite. Il n'en restait plus une seule quand nous sommes arrivés sur les lieux. Et mes crabes robots n'ont pas été plus heureux que vous en se trompant et en prenant l'appareil de la patrouille des aigles pour un bâtiment Vorak. J'espérais avoir au moins un fragment de météorite pour comprendre comment Cybercon peut les diriger. Il est derrière tout ça? Oui, il rêve de m'éliminer, de faire disparaître le résultat de mes travaux, Joey, mais c'est hors de question. Vous seul avez le pouvoir de l'en empêcher. Mais je fais partie de la patrouille des aigles, et ma place est avec eux. Oui, je comprends. Vous êtes l'une des réussites dont je suis le plus fier. Je vous ai appliqué les découvertes que j'ai faites sur mes androïdes. Ils ont supporté les épreuves les plus pénibles. Pour moi, et pour vous aussi, Joey Sachs. Joey, ici Hunter. On a trouvé un fragment de météorite et le Dr. Keane aimerait bien l'analyser d'urgence. Alors à moins que tu sois en train de dévorer les Vorak, réponds-moi dès que possible. Vous devez partir. J'espère sincèrement avoir la joie de vous revoir bientôt. Et je pourrai alors vous expliquer l'avancée de mes recherches ces derniers temps. Accompagne-le. Merci. Je dois partir, le devoir m'appelle. Encore merci. Ça m'a fait plaisir de te connaître. Surtout, reviens vite. Ça nous fera plaisir de te retrouver. Oui, à bientôt. Je ne savais pas que je le reverrais dans des conditions plus dramatiques. Le Dr. Keane avait tout de suite commencé l'analyse du fragment de météorite. Les résultats ont confirmé ce que l'on pensait tous.
En examinant la composition de ce fragment, j'y ai découvert de minuscules particules d'un alliage qui, frappé par un rayon électrique d'une grande puissance, propulse la météorite à une grande vitesse là où on le désire. Un peu comme une fusée ? On peut supposer sans risque de se tromper que Cybercon va très vite recommencer. C'est très inquiétant, ça. Oui, surtout pour ceux qui vont les recevoir. Votre attention, s'il vous plaît. Une importante pluie de météorites se dirige vers la Terre. Le point d'impact supposé se trouve dans la zone 412. Je répète, zone 412. Et c'est là où se trouve le camp d'entraînement des androïdes. Ils sont fichus. Joey ! Joey, où vas-tu ? Le professeur ne risquait rien dans son laboratoire, mais Ulf et ses amis étaient en danger. Plus vite ! Le camp d'entraînement était une proie facile pour les Vorak, d'autant plus qu'il n'y avait aucun système de défense. Ah non, attention ! D'autres météorites ! Arrivé, il était trop tard. Tout était en ruine. Ulf, tu m'entends ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est moi, Joey Sachs ! Oh non ! Ulf, c'est moi, Joey ! Joey, prends cet ordinateur miniaturisé. Il contient toutes les précisions concernant la construction d'androïdes. Remets-le au professeur, s'il te plaît. Entendu. Sois tranquille, je le lui donnerai. Ulf était détruit, mais grâce aux renseignements qu'il avait sauvés, le professeur pourrait le remettre en état. C'est Ulf qui m'a chargé de vous remettre ça. J'espère que vous pourrez le réparer, professeur. Oui, bien sûr, mais d'abord vous devez comprendre pourquoi Ulf et les autres androïdes ont existé. Toutes les informations contenues là-dedans, tous les résultats de mes expériences avaient pour seul but votre propre survie. Non, ne me dites pas ça. Oh non, surtout pas. Je ne pourrais jamais supporter un fardeau pareil. Que ça vous plaise ou non, c'est la vérité. Il faudra bien vous habituer à vivre avec cette idée. Mais essayez un peu de comprendre. Tous leurs sacrifices, oh ! Mais c'est fou ! Les épreuves qu'ils ont endurées, tous leurs efforts. Croyez-moi. Toutes ces expériences ont été faites à votre profit, Joey. Vous n'avez pas le droit moral de décider que ça aurait servi à rien du tout et que vous vous en moquez. Comprenez que ce serait faire injure à leur mémoire. Oh. Vous savez parfaitement que le bien ne triomphera du mal qu'avec le sacrifice et le dévouement de ceux qui veulent sa victoire. Des hommes comme vous, Joey. Mais qui vous donne le droit de décider lesquels d'entre nous se sacrifieront ou non ? Hein ? Réfléchissez bien ! J'ai fait mon possible pour vous aider, mais vous serez toujours le seul responsable de votre destin. Depuis que j'ai commis la terrible erreur d'avoir perfectionné les androïdes Vorak, le remords ne me quitte pas un seul instant. Et maintenant, avec vous, je peux enfin réparer mon erreur. Mais c'est à vous seul de décider. Oh. Le professeur avait raison. J'aurais pu lui répondre non, mais j'avais fait le serment de défendre le bien. Et j'avais des responsabilités envers Ulf et ses compagnons androïdes. Grâce à eux, je pensais être plus fort, plus efficace. Les améliorations apportées par le professeur à mon corps étaient surprenantes. Je savais pourtant qu'il était capable de faire des merveilles. Ma peau était plus résistante, mes muscles plus denses, plus souples, plus performants. Mon corps tout entier dégageait une incroyable impression d'énergie. Il me tardait de passer à l'action. Une seule pensée occupait mon esprit. Rien qu'une seule. Vaincre Malanox et les Vorak. Pendant ce temps, le reste de la patrouille continuait à chercher la base des Vorak. Regardez, le système de guidage des météorites des Vorak doit se trouver là. Préparez-vous. Je me demande pourquoi Joey ne nous a toujours pas appelés. C'est pas normal. Non, j'espère qu'il n'a pas eu d'ennui avec les Vorak. Attention, voilà le comité d'accueil.
C'est parfait, on va enfin pouvoir s'amuser un peu. On retourne à la base. On ne réussira jamais à entrer dans la base avec cet appareil. La seule solution, c'est que j'y aille avec mon appareil personnel. Mais c'est de la folie d'y aller tout seul. Il a raison. Ne discutez pas, ma décision est prise. Il faut que l'un d'entre nous aille détruire le système de guidage. Vous, vous protégerez mes arrières. C'est toi qui commandes. Pendant ce temps-là, j'avais réussi à m'infiltrer dans la base des Vorak. On y va. Un appareil ennemi est entré dans la base. Abattez-le tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez? Vous dormez? Il se dirige vers la salle où se trouve le système de guidage. Il est trop tard pour utiliser les missiles. Les ondes du système de guidage élimineront facilement le pilote. Et c'est ce qui arrivera à tous ceux qui nous résisteront. Ça t'apprendra à venir défier Maladox. J'étais arrivé trop tard pour empêcher que Hunter subisse l'effet de l'arme de Maladox. Non! Hunter, ça va? Je m'occupe de tout! Cybercode va être foudrage quand il va apprendre que tout est raté. J'avais réussi à provoquer un court-circuit dans le système de guidage qui causa une réaction en chaîne. Cela détruisit la base. Malheureusement, Maladox avait encore réussi à filer. Rassure-toi, c'est fini. J'ai réussi ce que tu voulais faire. C'est bien. Tu es arrivé juste à temps. Il faut bien s'entraider, non? J'étais content d'avoir pu sauver Hunter. Je sais qu'il aurait fait la même chose pour moi. Tout comme les autres membres de la patrouille, d'ailleurs. C'est ce qui fait notre force. Mais je n'y serais jamais arrivé sans l'aide de mes amis androïdes. Au fait, je m'appelle Ulf. Et je te présente mes amis androïdes. Nous avons tous été créés par le professeur Andro. On te connaît tous de nom. Je tiens à te dire que tu seras toujours le bienvenu ici. C'est un honneur de te rencontrer. Nous savons que nous avons beaucoup à apprendre de toi. Tu pourras toujours compter sur nous. Tu représentes notre avenir. C'était réconfortant de savoir que mes amis androïdes pourraient être réparés. Ils faisaient partie de notre avenir. C'est la fin de mon rapport. Quant à la patrouille des aigles, elle continuera à défendre la planète.